Oh non, pas lui. Ça passe. Ok, ça passe. Oh wow, fallait être pixel, hein. Mais là, là la Caitlyn s'est mise très très bien. Et là, il prend un kill, il a peut-être arrêté de rager comme ça. C'était l'action de la game. Hein. Si je réussissais pas ça, c'était GG bye bye. Vous pouvez passer à la prochaine. Ouais, ils y sont. Je pouvais pas mieux jouer. Parfait, on a pris Drake. Je suis en train de jouer un peu plus sérieusement là, j'essaie vraiment de faire mon taf. Je vais mourir mais c'est pour la bonne cause. Ok, non, ça génère pas. Drake il arrive à la stun ou à la slow. Ok, parfait, elle est morte. Oh non. Wow, cette game! Elle est intense, hein. Ça change complètement de la, c'est le, par la game d'avant, ça change complètement. Entre la game Fiddle et la game Zach, ça n'a strictement rien à voir. Et là-bas, il se passe des choses. Un kill. Pas besoin de plus. Moi je tue ça. Ça rééquilibre les choses. Ça l'empêche de farm. En plus, du coup, Caitlyn prend vraiment beaucoup d'avance. De toute façon, il n'y aura pas teamfight avant quelques secondes, avant quelques temps. J'ai essayé de pré-shot son flash out. Ça aurait pu passer. Putain, j'ai besoin d'aide là. Oh non, pas Zizi. Cours, Zilean! Très mal. Le Warwick il est parti très très aggro avec beaucoup de dégâts mais que ça suffise. J'ai mon passif, hein. Je go in, j'en ai rien à faire. Caitlyn qui récupère le Drake, c'est très très bien. On joue bien en équipe là, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il va y avoir Wick. Oh non, je voulais l'avoir. Oh non, il m'a pré-shot. Oh, il a bien joué. Dommage, j'ai un peu grid là, j'avoue, j'ai un peu grid. Fait. Bon, alors que ça, par contre, elle me respecte pas. Elle pense vraiment que je vais les laisser souffler. Y'a pas de temps mort avec moi. J'ai pas les modes. Ah, si, j'ai les modes de Zach. Hop. Merci TFT encore une fois pour les belles emotes.
Seul. Je vis juste les kills, hein. Qu'importe qui ce soit. En fait, le truc, c'est qu'on peut tous les tuer si on en a envie. C'était un très beau Q-spell, ça. Je pensais même pas qu'il était passé sur le Gragas. Je pensais avoir touché un sbire à la base. Je fais de l'anti-heal. Ok, on s'en sort. J'ai fait mettre mon E vraiment derrière comme ça. Soit il retournait vers l'arrière et on le tuait. Soit il continuait de courir tout droit et je le bumpais. Mais dans les deux cas, au moins, on est sûr qu'il mourrait. Pour le moment de speed push avec Akali, hein. C'est une défense. Ok. Oh, les petits blobs. Oh, parfait. Mon anti, il a fait la diff. Hein. Et le fait que je joue un Varric alors qu'il a fait ça, c'est pas normal. Là, je pouvais pas mieux jouer. Ok, parfait, langage 2. Langage à l'aveugle. Après, il n'y avait pas 10 000 endroits où il pouvait être, mais... Juste tape le Drake, s'il vous plaît, je veux cette soul. Oh, oh, il a fait tellement mal. Oh, le Gragas, il a fait du 1100 de dégâts au Drake. Allez, Gonachor. En fait, le truc, c'est que on va gagner la game, hein, je le sens. On a clairement une meilleure équipe. Moi, je joue très bien en termes d'engage et de piel. Le problème, c'est que c'est sur des erreurs bêtes comme ça qu'on pourrait la perdre. Zilean qui va tout seul dans la river, enfin, qui est dans le jungle. Alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont là-bas. C'est ce genre d'erreurs qui peuvent nous coûter la game. Fait. Moi, je vais essayer d'aller pile. Oh non, l'autre il est mort, du coup je peux plus le ramener. Oh, let's go le boost. Ok, parfait. Ça fait bizarre d'avoir le boost en même temps d'avoir mon Q. Ouais, en vrai, je préfère tellement avoir la soul là.
Je sais qu'on peut end la game, mais... Have fun. Bah GG. GG, bon, je sais pas quoi dire. Là, clairement, la game, sans moi, il y avait pas de game. Je dis pas ça pour me mettre en avant, mais... Le move que j'ai fait en botlane du tout début nous a bien remis, ça a bien remis la Caitlyn. Ensuite, j'ai permagank le bot, la Caitlyn était ultra feed, c'était la bonne décision à prendre. Et puis, je pense que ma tankiness, elle était impossible à... Je suis top dégâts. Je suis top dégâts de mon équipe en étant full tank. Truc de fou. Et oui, du coup, comme je dis très souvent quand vous êtes avec des silver, quand vous êtes bas elo, là, on voyait que là, par exemple, la Akali, elle arrêtait pas de rager parce que, soi-disant, je la gankais pas. N'écoutez pas, franchement, faites votre game, hein, sincèrement. Faites votre game, faites vos ganks que vous pensez bon, faites votre strat, et vous allez gagner. La fille de la Akali, gank... là, si j'avais campé la Akali, on aurait perdu la game, hein, sûr et certain. Le Jace jouait mieux que la Kaisa, donc le Jace aurait pu revenir. Je pense que ça aurait pas été la même game.